Le numéro 10, Dominante Allen, qui arrive, présenté par Bruno Van. Dominante Allen, donc le numéro 10, c'est une fille de Lavron et Neroli. Présentée par Bruno Vine, la mère Neroli est par Ragmar, et tire sa robe grise de son grand-père de mère, Royal Charter. Neroli a gagné, la mère donc, et puis elle a fait vraiment une bonne jument d'obstacle, deuxième du prix qu'elle a pris, notamment en hauteuil. Alors on peut marcher, on la reposera après. Neroli, son premier produit, c'est Pierre d'Argile, une fille de trou grave, qui a gagné en obstacle. Et c'est une souche dont on a parlé il y a quelques instants d'ailleurs. C'est la souche de Lupine Denet, Patte de Velours, Sirène Denet. Mais également Draborgi, Sous les Cieux, Un Atout, Sans Histoire, Cire des Champs. Voilà, beaucoup de chevaux qui ont gagné des groupes 1 en Angleterre, en Irlande. Mais aussi en France, enfin pas tout à fait, puisque Lupine Denet a été deuxième de la Légis-Lin et gagne en Buterie des Drags. On peut trotter désormais. Faut savoir, hein, pour rappel, qu'il n'y a que 9 groupes 1 sur le territoire français, ce qui est extrêmement peu, alors qu'il y en a 27 en Angleterre et 27 en Irlande. Donc gagner un groupe 1 en France, c'est toujours excessivement difficile. Un seul groupe 1 pour les 3 ans, 4 groupes 1 pour les 4 ans, et 4 groupes 1 pour les 5 ans et plus, alors qu'en Angleterre et en Irlande, il y a une offre beaucoup plus pléthorique de chevaux top niveau.